perdu mon passeport. Ok, donc aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu spécial. Il fait beau en plus. J'ai perdu mon passeport. Voilà, en gros, il y a un peu plus de 5 mois, j'ai fêté mon anniversaire et avec mon père on est parti en Islande pour fêter ça en avril. Sauf que il s'est dit nanana c'est pas assez et il m'a payé une activité un petit peu spéciale. Je sais pas pourquoi je fais du teasing. Il y a du sable, pas des chaussures pour le sable. Ah oui, et puis grosse bourde en plus, ça se passe dans l'eau. Et j'ai oublié de prendre un maillot de bain. J'ai pris tout mon matériel, mais j'ai absolument pas pensé à prendre un maillot de bain. Vraiment. Regardez, c'est Vincent Lagaffe. Anthony, pour Michel. Ton prochain rider est arrivé, ça c'est une chose, filmé avec la GoPro. Donc en fait, je suis dans une ville qui s'appelle Cavalaire. Et ce que je vais faire, c'est du flyboard. C'est un truc inventé par un Français. C'est rattaché à un jet ski. C'est de l'eau pulsée. Et on s'envole à 12 mètres. Je vais y perdre ma casquette. J'ai déjà fait de l'hydrospeed. J'ai déjà fait du Segway plein de fois. J'ai fait du skate électrique. Mais ça, ça a l'air vraiment différent et ça a l'air vraiment très très compliqué. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. En même temps, je suis excité et j'ai un peu peur. J'espère au moins que je vais réussir à bien tenir quoi. Faut que j'aille m'équiper.
bonne journée. Bonne journée. Tu bon accueil. Belle prestation. Ouais. Marmotte sur un chameau. Alors, pour résumer ce que je viens de faire, je crois que j'avais déjà dit que j'avais fait l'activité la plus fun de ma vie en disant que c'était le skate électrique. Eh bien, tout a changé en faisant aujourd'hui le flyboard. Et la personne qu'il y avait, à qui on a dit au revoir à la fin, c'était Vincent Lagaffe. Parce que c'est lui qui a le club. C'était génial. Petit débrief. C'était vraiment un des trucs les plus fun que j'ai jamais fait. C'est un peu comme l'overboard. Ça veut dire que, en gros, vous avez vos deux pieds. Vous penchez en avant pour aller en avant, vous penchez en arrière pour aller en arrière. Vous pouvez vous pencher comme ça, mais c'est la chute assurée. Vous pouvez faire des demi-tours en slidant, si je puis dire. Pour le coup, faire du skate, c'est vraiment avantageux parce qu'il faut avoir un bon sens de l'équilibre. Mais c'est vraiment super méga fun. Au bout d'un moment, il débloque les pieds. Ça veut dire qu'on peut baisser un pied et monter l'autre. Et ça vous permet de faire des vrilles. Et c'est exactement comme un overboard. C'est pour tourner en fait. Enfin, pour tourner sur place. Waouh. C'est juste complètement incroyable. Je vous avoue par contre que j'ai pris des gros plats. Un plat de face, mais énorme, monumental. Et un autre en plein dans mon appareil génital. Et ça faisait très 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 mal. Là j'ai vraiment souffert, mais ça valait le coup, vraiment. On attend ma sœur, ça fait, je crois que ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas vue. Et en plus elle vient avec mes deux neveux. Ça va faire 30 minutes qu'on attend. Mais elle est derrière! Elle fait coucou là-bas! Ah, mais on y va, on lui dit pas bonjour! Ah, c'est fermé! Ah! Coucou bébé! Coucou! On va à la plage, j'ai des sacs, mais partout! Je suis un mulet! Et il fait chaud! Quand est-ce qu'on se baigne? Harry, il va falloir qu'on soit efficace! Quoi? Il faut que tu passes en premier! Il fait trop chaud. On est arrivé, mais il y a des gens. Boire un coup sur le port. Non, on y va? Ouais. Ils sont montés sans nous. Il est 19h et on est allé à Saint-Tropez pour boire un coup et probablement pour manger. Papa, on mange Harry, à Saint-Tropez? On mange là, ici? On mange ici du coup? Ouais, je pense que oui parce qu'il est 17h passé. Ok, bon bah on mange ici en plus. Harry! J'ai tellement soif. En fait, on s'est arrêté à l'Hysteria, c'est le restaurant qui est là. Juste à côté, il y a la boîte de nuit de Jean Rock. Et on est presque sûr que ce restaurant lui appartient. Mais c'est très très bon, c'est une pizzeria, un truc italien, c'est génial. Tu regardes, tu vois, il y a un plot au milieu, elles peuvent pas passer. On est de retour sur le port parce qu'on va aller acheter une bonne glace. Ensuite, je pense qu'on va rentrer parce qu'on est fatigué. Quelle journée! On va chercher quoi à ton avis? Des glaces!